Je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussitecoursdefrançais.com. Mon objectif est de te guider sur le chemin de la réussite en cours de français. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 5 minutes pour tout savoir sur un mouvement littéraire. Et j'ai très envie aujourd'hui de te parler du mouvement du classicisme. Le classicisme qui est un mouvement littéraire qui occupe la deuxième moitié du XVIIe siècle. Allez, c'est parti! Je te dévoile tous les secrets du classicisme dans cette vidéo. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire? Je viens de te le dire, le classicisme est un mouvement majeur de la deuxième partie du XVIIe siècle. Il atteint son apogée dans la première partie du règne de Louis XIV. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'associe à une vision du monde propre à la monarchie absolue. L'effet d'ordre et de rationalisation de la pensée propre à ce mouvement va aussi de pair avec la diffusion de la pensée de Descartes, que tu connais peut-être, qui est un philosophe qui a écrit notamment le discours de la méthode. Qui sont les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement? Pour le genre théâtral, on va évidemment rencontrer Molière. Molière avec la critique de l'école des femmes, jouée pour la première fois en 1663. Dans cette critique de l'école des femmes, je retiens une citation qui me semble assez représentative de l'état d'esprit du classicisme. « Il faut peindre les hommes d'après nature ». Ensuite, on peut penser pour le genre théâtral à l'œuvre de Racine Bérénice, jouée en 1670. Dans la préface de Bérénice, Racine explique « Il y a longtemps que je voulais essayer si je pouvais faire une tragédie avec cette simplicité d'action qui a été si fort du goût des anciens. » Une autre citation de la préface de Bérénice « La principale règle est de plaire et toucher ». Quand je te parlerai tout à l'heure des principales caractéristiques du classicisme, tu verras qu'ici, tu feras le lien avec les deux citations que je viens de te proposer. Pour la littérature d'idées, car oui, le classicisme n'est pas seulement un mouvement qui est composé uniquement d'œuvres théâtrales. On va aussi trouver des œuvres appartenant à la littérature d'idées, comme les fables de La Fontaine, publié en 1668, les pensées de Pascal, publié en 1670, ou aussi, évidemment, l'art poétique de Boileau, publié en 1674, que l'on considère comme le manifeste du classicisme, c'est-à-dire l'œuvre dans laquelle sont dévoilées les règles du classicisme. Oui, pour la littérature d'idées, j'ai oublié les caractères aussi de La Bruyère, publié en 1688. Pour le genre romanesque, tu peux penser à La Princesse de Clèves, le roman de Madame de Lafayette, publié en 1678. Quelles sont les principales idées de ce mouvement? Ce mouvement se caractérise par le souci de la perfection, l'imitation des anciens, et la recherche de l'équilibre à travers le culte de la beauté et de la raison. Le genre dominant est le théâtre, mais pas uniquement, comme je te l'ai dit précédemment. Le théâtre du XVIIe siècle, pendant la période du classicisme, s'inspire de l'Antiquité, en restant fidèle à l'héritage des auteurs gréco-latins. Et cette fidélité se traduit notamment par les trois objectifs principaux que se donnent les dramaturges classiques, qui sont les suivants. Le devoir d'éducation, docere, on vise à instruire les hommes. Le devoir, la capacité à émouvoir, le movere, c'est-à-dire le fait de toucher les hommes, à toucher la sensibilité des hommes. Et enfin, troisième objectif, l'art de plaire et de séduire, le placere, on essaye de divertir les hommes. Divertir tout en instruisant. C'est bien une des principales raisons d'être du classicisme. Les œuvres classiques répondent justement aux règles suivantes. Les œuvres de théâtre classique répondent aux règles suivantes. Première règle, la règle des trois unités. Boileau le définit cette règle dans son art poétique. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Cela correspond à l'unité de temps, une seule journée,
unité de lieu, 24 heures, unité d'action. On ne mélange pas plusieurs intrigues dans une même pièce de théâtre. Deuxième règle des pièces de théâtre classiques, la règle de bienséance. On ne va rien présenter sur scène de choquant. L'idée de mettre l'accent sur les éléments nobles de l'humanité, parce que la politesse et la réserve de l'homme classique, de l'honnête homme du XVIIe siècle, exige qu'on n'étale pas certaines bassesses et certaines tares sur scène. Par exemple, le fait de manger sur scène est absolument proscrit. Pareil, s'il y a une mort au cours de la pièce de théâtre, cette mort n'est pas montrée sur scène. On exclut la violence de la scène. Dernière règle des dramaturges classiques, la règle de vraisemblance. Tout ce qui est montré sur scène doit être vraisemblable, doit revêtir l'apparence de la vérité, de la réalité. On exige que l'art imite la réalité en étudiant l'homme avec un grand H. Toujours au niveau du théâtre, les deux principaux genres théâtraux sont les suivants. Le premier genre, c'est la comédie. Le but de la comédie classique est de plaire et d'instruire à la fois. En fait, la comédie va démasquer les imperfections de l'homme et les incite à se corriger, mais en les faisant rire, en les divertissant. Molière le dit d'ailleurs dans la préface de Tartuffe, la comédie corrige les mœurs par le rire. Castigat, ridendo, mores. Les personnages des comédies sont issus d'un milieu social bourgeois. Les thèmes fréquents sont l'amour, l'argent, le mariage. Et la plupart du temps, dans la plupart des comédies, le dénouement est heureux. Le deuxième genre théâtral privilégié par le classicisme, c'est la tragédie. La tragédie, c'est un genre théâtral dont l'origine remonte au théâtre grec antique. Contrairement à la comédie, elle met en scène des personnages de rang social élevé. Et se dénoue très souvent, pas toujours là encore une fois, par la mort d'un ou de plusieurs personnages. La mort n'est pas montrée sur scène pour répondre à la règle de bienséance dont je te parlais précédemment. La tragédie a pour objectif d'émouvoir le spectateur. La capacité à émouvoir renvoie à une notion clé que tu dois connaître, la catharsis. La catharsis grecque, c'est la purgation des passions. Elle consiste à débarrasser le spectateur de ses troubles personnels en rappelant à sa conscience une idée ou un souvenir refoulé qu'il va voir du coup représenté sur scène et qu'il ne va pas faire dans la vraie vie. Voilà pour les principales caractéristiques du classicisme dans les pièces de théâtre. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des éléments important pour maîtriser ce mouvement littéraire du classicisme. N'hésite pas à te rendre sur mon site réussitecoursdefrançais.com pour avoir encore plus d'informations sur tous les mouvements littéraires qui jalonnent notre histoire littéraire. Je te donne rendez-vous aussi sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis très active, Instagram, Facebook, les plateformes de podcast. Quant à moi, je te souhaite d'excellentes révisions, d'une excellente réussite en cours de français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye !